Un prototype de congélateur sud-africain facilite le transport des vaccins. Une entreprise sud-africaine de gaz naturel, Reinergen, utilise ses connaissances en cryogénie pour développer un congélateur de transport biologique ultra-froid. Cet appareil pourra assurer en toute sécurité la circulation des vaccins Covid-19 jusqu'aux zones rurales. Dans beaucoup de ces endroits où vous avez ces colonies rurales, vous n'avez pas le type d'électricité nécessaire pour pouvoir brancher quelque chose. Maintenant, l'autre défi à relever est d'avoir un congélateur qui est très transportable, dont la température peut descendre à moins 70 degrés Celsius. Le congélateur maintient une température interne constante de 8 à moins 150 degrés pendant plus de 25 jours, sans avoir besoin d'une source d'énergie externe. Un détail particulièrement utile dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Sud, qui comptent une importante population rurale. Vous avez un réseau complet de choses combinées dans l'affaire, de sorte que vous savez à tout moment exactement où elle se trouve, à quoi ressemble la chaîne de garde, et surtout, vous pouvez valider que ce qui entre dans votre bras a suivi un processus ordonné, correct en ce sens, qu'il maintient une température exacte en se déplaçant du point A au point B. Face aux inégalités flagrantes qui mettent la planète en danger, les Nations Unies ont lancé des appels en faveur d'un effort mondial coordonné pour vacciner contre la Covid-19. Seuls 10 pays ont administré 75% des doses jusqu'à présent et 130 pays n'en ont reçu aucune.